Bonjour et bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre émission 100% Gardien. Après la trêve internationale, c'est l'entrée dans la dernière ligne droite pour les championnats domestiques, pour nos gardiens. Et pour commenter cette actualité, on accueille Antoine Garcia. Salut Antoine. Salut Nico, bonsoir à tous. On accueille également notre nantais Thomas Bernard. Salut Nico, salut Antoine, salut tout le monde. <laughs> Et on a notre invité exceptionnel, un autre invité exceptionnel après Maxence Prévost. On a Lionel Mpassy qui nous fait le plaisir d'être là, gardien du Rodez Aveyron Football. Salut, salut, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Bienvenue Lionel. Merci à toi de l'avoir accepté. Le sommaire de cette émission, interview notre invité. Évidemment, euh, on, va, on va te mettre bien Lionel. Euh, ensuite, l'arrêt décisif de Meignan. Donc, on va revenir un peu sur le match de Mike Meignan euh, et sur son arrêt décisif face à Mbappé, le décrypté. Euh, la forme de Neuer avant le PSG. On est à l'aube d'une euh, belle, euh, belle semaine de, de Ligue des Champions. Et enfin, Rajkovic, Kayar Green. On a eu des faits d'arbitrage cette semaine qui ont impliqué des gardiens. Et donc, on va se poser la question, est-ce que l'arbitrage des gardiens a changé euh, depuis quelques années N'hésitez pas à réagir euh, en commentaire pour poser des questions à notre invité. Euh, on, les, on prendra les, les, les plus pertinentes et également à réagir un peu sur les différents thèmes que l'on abordera, évidemment. Et évidemment, à partager et liker le, le contenu pour le faire connaître autour de vous. Alors, on va commencer euh, bah, par euh, accueillir notre invité, Lionel. Euh, première question. Es-tu satisfait de ta saison et de celle de ton club bah, Pour le moment, ouais. Ouais, c'est le cas de le dire. On n'était euh, pas très très bien en début de saison. On, est, on, est même, euh, on a même occupé la dernière place du championnat. Et depuis, il y a une remise en question, une grosse, grosse remise en question. Et euh, Actuellement, on est dixième. Du coup, ouais, pour le moment, je suis satisfait. Après, il reste encore sept matchs. Mais pour le moment, je suis satisfait du, du travail fourni par l'équipe. Ouais. Et, euh, et que... justement, vas-y, vas-y. Il y a euh, une vraie remontée au classement. Lionel, tu, tu en parlais. Euh, vous étiez quand même vingtième à un moment donné. Toi, tu es arrivé titulaire à la trêve. Euh, tu es passé numéro un en fait à la trêve. Euh, tu as eu cette opportunité de, de temps de jeu et ça a coïncidé alors tu as eu des très bonnes performances et ça a coïncidé avec un réel regain de forme de l'équipe parce que vous avez gagné 10 places quand même. Donc euh, c'est forcément flatteur après tout le crédit n'est pas pour toi, je sais que tu prends pas tout le crédit mais euh, c'est forcément génial de surfer sur cette dynamique quoi. Ouais c'est clair, c'est très flatteur quand tu es gardien de but surtout quand tu es un compétiteur et quand, surtout quand tu commences numéro 2, tu t'imagines toujours euh, pouvoir aider l'équipe à un moment donné dans la, dans la saison. Et là, forcément, c'était la situation rêvée au détriment de l'équipe, qu'on soit dans une mauvaise passe pour que je puisse rentrer, euh, rentrer dans le but. Après, oui, c'est anecdotique, anecdotique que, que, ce soit, que la remontée soit due à mon arrivée dans le but, mais euh, ça fait toujours plaisir, c'est clair. Ça m'a fait penser, je vais te dire, ça m'a fait penser un peu à Mathieu Dreyer euh, en Ligue 1, qui a, qui, a connu, euh, qui a connu comme ça aussi une vraie... Euh, alors, Mathieu Dreyer, il n'a pas eu de performance exceptionnelle et pourtant, ça a totalement revigoré l'équipe. J'ai vraiment fait un parallèle entre vous deux avec un gardien titulaire qui avait fait quelques petites. peut-être des matchs un peu moins aboutis. Euh, il y a eu beaucoup de buts encaissés et puis finalement, on a vu, toi, 15 matchs, 12 buts encaissés chez une équipe qui, est, qui joue le maintien, il faut être très honnête. C'est assez incroyable comme statistique. Bah, c'est marrant que tu parles de ça parce que euh, Mathieu Dreyer, moi, je ne le connaissais pas du tout avant cette saison. Et euh, si tu veux, j'ai Loïc Pujol, euh, mon coéquipier, qui, qui est très bon pote avec lui, qui a joué avec lui, et qui me disait tout le temps Putain, tu me fais trop penser à mon pote gardien, il est rentré dans les buts de Lorient, et vous avez le même destin. Depuis qu'il joue, ils ne prennent plus de buts, ils ne perdent plus, et tout. Et du coup, c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec Mathieu, et on s'écrit régulièrement, du coup, par rapport à une marque de gants. Euh, la, ouais. La Keeper sport qui sport parce que tu as changé de sponsor ouais. c'est vrai. J'ai eu Anthony moi au téléphone de Keeper Sport et, euh, et j'ai eu un bon témoignage de Mathieu Dreyer aussi qui est venu m'écrire, qui m'a parlé des gants et euh, c'est comme ça qu'on s'est connu ouais. Ah ben bah c'est drôle, mais bah tu vois comme quoi. <laughs> On ne dit pas bon, que des conneries. Veut... On ne dit pas que des bêtises, c'est clair. Euh, justement, ben, on, 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 pour ne pas dire de bêtises, et puis que pour tout le monde est en tête le, le, le parcours de, de Lionel, donc tu es né à, à Meaux, euh, donc tu as un 94, euh, es, tu débutes à, à Torcy, tu fais, euh, on va dire tu es repéré à, à Torcy par le, à, par le PSG, euh, donc tu es formé au PSG des, des U17 à, à, la, à la N2, donc tu fais trois ans au au, au, club, au club parisien. Et euh, tu décides de partir euh, à, à la fin de la première année des Qataris, donc euh, fin 2012, parce que bah, euh, tu te rends compte qu'il y a Meignan et Areola. Et en fait, le club t'explique te, que, en tout cas, tu seras barré par ces deux monstres, entre guillemets, hein, voilà, deux gardiens de l'équipe de France. Bah, tu signes ton. Ah oui, pas contre guillemets voilà <laughs> deux monstres à l'échelle à l'échelle en tout cas des, des, des gardiens de, enfin de, de la formation c'est dire que les, le psg bosse bien et, et tu signes ensuite ton premier contrat pro à, à toulouse euh, tu signes même stagiaire pro puis pro à toulouse c'est ça, ça ouais euh, ensuite, tu connais le, le, le chômage euh, du coup euh, saison 2014-2015, un peu comme Édouard Mendy dont on parlait en, 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 début, de, en, en début de saison qui, euh, qui, qui avait eu aussi cette période. Et enfin, euh, Rodez euh, depuis 2015 en N2 qui monte euh, en Ligue 2 en 2019. Euh, tu évoquais euh, justement ces deux monstres et pas qu'entre guillemets. Euh, en quoi c'est des monstres et en quoi tu t'es dit enfin euh, Comment tu te rends compte qu'ils sont, ils sont vraiment intouchables par rapport peut-être à, à ton niveau de l'époque Bah Déjà, euh, première chose, bah, Alphonse, bah, qui est plus vieux que moi de un an, quand on arrivait au centre de formation, je m'en rappelle, à l'époque, il était déjà il avait déjà un corps d'homme Et en spécifique, il était déjà très, très impressionnant. Il faisait des choses que moi, j'ai su faire quand j'étais mature, quand j'avais 18 ans, 19 ans. Mais lui, il les faisait quand on avait 16 ans et il était déjà très impressionnant. Il jouait, il était souvent appelé avec les pros. Il jouait beaucoup en réserve avec la CFA. Et Mike avait des grosses grosses qualités aussi à l'époque. Il était déjà imposant. Il avait un super super jeu au pied. C'était un super gardien. Et euh, Alphonse, c'était clair. Il était en sélection. Il était à l'INF. C'était clair que son avenir était tracé. Et Mike, euh, le PSG comptait beaucoup sur lui. On le savait. Depuis très jeune. Je me rappelle euh, d'une finale de championnat de France contre l'Olympique de Marseille en U17. Et euh, c'était Jean-Luc Vasseur, le coach qui est maintenant coach des féminines à Lyon. Oui. Et euh, il avait mis Mike titulaire du coup pour la finale. Et moi j'étais remplaçant sur le banc. Et à partir de ce moment-là, je savais que ça allait être très compliqué. Après, j'avais eu juste après, juste après cette finale, j'étais parti à la Coupe du Monde. Du coup, c'était euh, une petite consolation. Mais je savais qu'au PSG, ça allait être compliqué. Donc, en effet, tu fais quart de finaliste à la Coupe du Monde 2011 euh, avec les U17, où tu tombes face, au, euh, face à une belle génération mexicaine euh, en ouais. quart de finale. C'est ça. Euh, et euh, juste pour replacer dans le contexte, il y a qui dans ta génération euh, de, de U17 euh, qui, qui a signé pro Je crois qu'il y a Icoco, c'est ça ah, il y a non, Jordan bah, dans l'équipe euh, que j'avais, qui, qui avons disputé la Coupe du Monde, il y avait Jordan Ikoko, Benjamin Mendy, Lénine Mangis, Adrien Tamez, Timo Ebakayoko, Swaliou Maite, Gaëtan Laborde. J'en passe certainement, mais euh, il y avait pas mal de, de, de gros joueurs qui ont. Une belle génération de joueurs de Ligue 1, quoi. Ouais, Émeric Laborde okay. aussi. Ah oui. Et oui, euh, <laughs> on avait une très, 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 très grosse génération. Non, très bien, bien top. Euh, justement, tiens, on a, on a juste une, une question de la part des, des auditeurs. Euh, et et ça, va, euh, ça va du coup compléter un peu euh, par la suite nos, nos, nos questions. Euh, Qu'est-ce que tu penses du niveau de la Ligue 2 euh, Donc, tu as, euh, as fait un parcours de, euh, la, de, la, C, fin, de la CFA à l'époque N2 maintenant euh, jusqu'à la Ligue 2. Euh, c'est quoi la, la différence en termes de, de frappe et même en termes d'intensité euh, par rapport aux, aux, par rapport aux, aux, aux divisions inférieures bah, C'est que les mecs sont beaucoup plus précis. Ils ne frappent pas pour frapper. Moi, ce qui m'avait choqué, je me rappelle, bah, cette année, du coup, c'est le match à, au Havre. Euh, le promis, la première frappe, entre guillemets, que j'ai eu en ligue de cette année, c'était euh, Romain Basque de, du Havre qui, à l'entrée de la surprise, et qui frappe fort au sol croisé, et le ballon passe juste à côté de, du poteau, et je me dis, euh, ah ouais, quand même, il n'a pas frappé pour frapper, et si c'était cadré, je pense que j'étais battu. Mais euh, ouais, les mecs ils sont beaucoup plus réfléchis, ils cherchent plus des zones, euh, des, des zones dans les coins, et euh, ils frappent beaucoup plus, plus fort, c'est plus précis, c'est plus net. Il y a plus de conviction. Ouais, avec plus de conviction, ouais. mm. Et... Et justement, euh, autre, autre question, euh, vous avez une taille considérée comme modeste avec 1m82, est-ce que vous avez été pénalisé lors de votre formation Pas forcément lors de notre formation, mais euh, bah, plus les années passaient, plus euh, on voyait des Neueurs euh, être au-dessus au de tout le monde euh, au niveau de leur performance. Du coup, euh, les clubs euh, se sont adaptés aussi, et ils, ont, ils ont commencé à essayer de former des gardiens de grande taille. Mais nous qui avons été formés dans des centres de formation, que si forcément on est passé par des centres de formation, on a des qualités. Et on se dit souvent qu'on a des qualités que peut-être les mecs d'un mètre 80, plus d'un mètre 90 n'ont pas. Du coup, on essaye de compenser avec ces qualités-là. Mais d'ailleurs, j'en parlais, euh, Jean-Raymond Garcia, c'est mon père, et j'en parlais avec lui récemment. Et je lui disais, mais c'est drôle parce que euh, ces histoires de taille, je trouve qu'on. Moi, moi, j'ai grandi très tard, et aujourd'hui, tu as vu, je fais plus d'un mètre 85. J'ai grandi très tard, et j'étais plus embêté quand j'avais 13-14 ans par ces soucis de taille qu'aujourd'hui, où je trouve, à, quand on est majeur, en fait, ou en senior, en tout cas, on est beaucoup moins. Euh, Embêté par rapport à ça. Alors, évidemment, comme je suis, quand, depuis que je suis majeur, je ne suis à plus à 1m85, donc ça se pose, la question se pose moins. Mais je veux dire, dans les groupes seniors, euh, moi j'ai été avec Maximo Bois, qui est un peu plus petit que toi, personne n'a dit à Maxime Bois, tu es un petit gardien. Je trouve qu'en senior, c'est quelque chose qu'on qu oublie beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est une de tes références, c'est Stegen, Mais tu regardes aujourd'hui le top, top mondial. Alors, il y a Alisson et Neuer qui sont à plus d'1m90, mais tu regardes au black, Stegen, Ederson, Loris, Navas, Navas. tous ces mecs-là, ils font moins d'un mètre 88. Donc c'est assez rigolo, euh, finalement, que le gratin gratin soit en dessous du euh, mètre 95 euh, absolument idolâtré par l'olichon, par exemple. Ouais, c'est clair. le top mondial, clair. il est à un 87-88. Bah après, j'ai envie de te dire, c'est le terrain qui parle. Hein. Si, euh, Je suis d'accord si, euh, avec toi. Euh, sont performants alors qu'ils ne font pas un mètre 90. Euh... Je suis désolé, mais les coachs, ils voient comme nous, ils... c'est des, des personnes justes et ils mettent le, le meilleur sur le terrain, je pense. C'est ça, c'est ça. Je suis assez d'accord avec ça. Et, et justement, alors, bah, tu parlais de ta formation et puis même de, de tes entraînements. Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose dans, dans ton entraînement d'être passé euh, de, de numéro 2 à numéro 1 alors, au début, tu ne voulais pas parler de numéro 1. En tout cas, ton coach ne voulait pas parler de numéro 1. Donc, maintenant, je pense que tu peux te considérer comme le numéro 1 de au moins la saison. Non, toujours pas. Parce que, ah, toujours euh, pas. <laughs> Parce que c'est comme ça. On a une... Le coach elle, elle aime bien avoir une hiérarchie ici. Il a toujours, euh, toujours fonctionné comme ça. Et euh, bah, c'est toujours le numéro 2 qui joue pour le moment. Et ça se passe très bien pour lui en ce moment. Du coup, euh, c'est cool. Mais euh, non, non, ça n'a ça rien changé euh, à mes séances d'entraînement. Ça n'a rien changé à ma relation avec euh, Théo. Ça n'a rien changé avec ma relation avec le coach des gardiens. On fait toujours les mêmes séances et euh, le travail n'a pas changé. Vous bossez quoi en ce moment, justement euh, euh, Par exemple, Maxence Prévost, il disait que lui, il bosse beaucoup le, le bas du corps en ce moment. Euh, nous, on n'a pas vraiment de, de semaine euh, basée sur, euh, sur quelque chose. Le coach essaye de varier un peu. Après, si euh, s'il si, 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 voit une situation. Euh, qu'il faut vraiment bosser euh, sur le match qui est passé, il va nous la faire bosser beaucoup dans la semaine. Mais euh, sinon, on varie beaucoup les séances d'entraînement avec notre coach euh, David Magnaval. Ouais. Et Lionel, euh, tu dis que. Excuse-moi, euh, Yonel, tu dis que tu ne vois pas de différence euh, forcément quand tu prépares tes matchs entre le fait d'être numéro 1 et numéro 2. Mais tu ne penses pas que tu as peut-être une différence au niveau mental? Parce que as, tu sais peut-être que tu as joué, Donc mentalement, on ne prépare, euh, ouais, prépare pas le match de la même manière. Ouais, mentalement, je ne prépare pas le match de la même manière, c'est sûr. La préparation du match, ouais, mais euh, les entraînements dans la semaine n'ont pas changé. Moi, je me suis, je me suis toujours entraîné, comme, euh, comme je l'ai dit euh, au début de la saison à la radio quand je suis passé, je me suis toujours entraîné pour être prêt pour jouer. Au cas où euh, le coach faisait appel à moi, surtout cette année, encore plus cette année, parce que je, je sentais que je pouvais jouer et qu'il et que y avait la place pour jouer. Et euh, du coup, je me suis toujours mis dans la tête qu'il euh, qu fallait que je m'entraîne fort comme si, comme si je pouvais être sélectionné le week-end à jouer. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on qu gagne une place de titulaire. C'est en s'entraînant euh, constamment, qu'on soit 2, 3 ou 1, en s'entraînant comme si on voulait prendre cette place de numéro 1. Et quand on est numéro 1, c'est Barthes qui disait très souvent ça lorsqu'on lui demandait s'il se sentait en concurrence avec Coupé quand il y avait ce, ce, ce débat sur la place de numéro 1. Il disait, mais mon seul concurrent, c'est moi-même. Et à partir du moment où tu es dans une optique de faire mieux que la veille, mieux que le match d'avant, et que tu te remets perpétuellement en question, se remettre en question, ça ne veut pas dire douter de soi. Se remettre en question, ça veut dire qu'on est conscient de ce qu'on peut améliorer ou pas. Et quand tu es dans cette optique-là, Lionel, il a totalement raison, ça ne change pas sa préparation à l'entraînement. Parce que Lionel, s'il est passé numéro un, il sait pourquoi, et c'est en s'entraînant comme ça déjà. Et ce serait une grosse connerie de sa part de changer sa façon de s'entraîner sous prétexte que maintenant, il joue. Et c'est comme ça qu'il fait des bonnes performances. Et d'ailleurs, Lionel, tes performances, je vais te dire même, elles se montent crescendo, je trouve. Plus tu joues, plus je trouve que tu as des repères, que tu as en confiance et que tu, que tu en imposes. Et ça, c'est quand même. Ça fait du bien à Rodez. C'est indéniable. Ouais, c'est clair. Ben J'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps avec un ami. Je lui disais, ouais, c'est clair que je me sens de mieux en mieux dans les matchs. Euh, les premiers matchs, certes, ça s'était bien passé. On ne perdait pas, mais. Euh... Je ne me sentais pas super super à l'aise au niveau des repères, au niveau du jeu, de la lecture du jeu. Et plus les matchs sont passés, plus j'arrivais à lire les situations, à sortir vite dans les pieds des adversaires ouais. pour couper des, pour couper des, 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 des actions, pour ne pas me retrouver en un contrat avec l'attaquant. Et euh, non mais c'est clair, le, le fait d'enchaîner de, de, les matchs, enchaîner les bons résultats, enchaîner, enchaîner les clean sheets, ça donne de la confiance et, et ça le cognitif en fait ce qu'il est en train de dire c'est le cognitif qui, euh, qui s'améliore à, à, à chaque match en fait. c'est la ouais. prise de décision c'est ça ouais bah, on prend les décisions un tout petit peu plus rapidement euh, on a un peu plus de confiance à sortir sur coup puis arrêter euh, nous je sais qu'on défend super haut sur, les, sur tout ce qui est coup franc euh, excentré assez lointain du coup euh, moi euh, avec euh, ma ligne de défense il faut que je trouve la bonne hauteur et ça se règle de mieux en mieux et ouais, c'est tous les, tous les tous ces petits détails qui, qui s'améliorent de match en match, ouais. D'autant plus que Alors... c'est des, des éléments qui sont très difficilement palpables à l'entraînement. Ouais. Ce dont parle Lio, de gestion de profondeur, de gestion de hauteur d'un bloc, tout ça, c'est pas que tu ne le bosses pas à l'entraînement, c'est que tu n'auras jamais la vérité du match retrouvée à l'entraînement. C'est très compliqué. Et c'est ouais. pour ça que plus tu joues, plus tu chopes ces repères et plus tu gagnes en confiance, et plus les matchs d'après se font naturellement. Et ça, ça explique aussi ta montée en puissance, clairement. Il y a pas un niveau que tu découvres aussi. Non, il c'est un niveau que tu découvres aussi, tu jamais joué en Ligue 2 euh, euh, donc forcément tes 3 4 premiers matchs même si c'est ce qui m'a fait très plaisir, c'est que moi j'ai regardé ces matchs, c'est vrai que ce c'était pas totalement abouti, mais ce qui t'a fait énormément de bien, c'est que tu pas été remis en question parce que les résultats se sont bien passés. Et ça c'est un des points que j'aimerais évoquer ensuite. Moi je un... une... suis intimement convaincu, tu es un mec extrêmement apprécié dans le vestiaire à Rodez. Et j'ai senti que ça faisait plaisir à tes coéquipiers que tu joues. Indépendamment de tes qualités de gardien de but évidentes, j'ai senti qu'il y avait un vrai truc. On aide notre pote aussi. Et il y a un truc de solidarité qui s'est manifesté. Est-ce que tu as eu ce sentiment aussi par moment Ah oui, je l'ai senti direct. Mais c'est pour ça aussi que ça s'est super bien passé. Et je leur en remercie. C'est que quand j'ai joué mon premier match au Havre, je n'avais pas euh, cette, grosse, cette grosse pression pardon, de me dire il euh, ne faut pas que je me trouve il ne faut pas que je me trouve si je me trouve, je suis mort. Je sais que les gars devant moi, les, toute l'équipe, surtout les défenseurs, avaient super confiance en moi. Ça fait quatre ans que je suis ici, ça fait quatre ans que je joue, ici, je joue avec eux. Ils me connaissent totalement, ils avaient entièrement confiance en moi. Et cette confiance, quand tu la ressens dans ton jeu, ça te donne, ça te donne envie de, bah, de te battre pour eux et de jouer sans crainte. C'est clair. Super, et justement, on va revenir euh, euh, sur ce que tu as dit euh, juste avant à propos de la gestion de la profondeur, parce que bah, comme euh, la, la nouvelle tradition oblige dans RMO, euh, avec notre invité, on va te laisser commenter euh, ton, euh, ton arrêt préféré de la saison, en tout cas l'arrêt que tu as, as choisi. Je remets dans le contexte, euh, donc vous jouez euh, Valenciennes à, à la maison, euh, c'était il y a 2-3 semaines ouais il y a 0-0 parce qu'il y a 3-0 à la fin du match mais on est en première mi-temps, il y a 0-0 et donc du coup c'est un coup franc excentré sur la droite d'abord c'est là où ta remarque fait sens en effet vous jouez quand même plutôt haut ouais ouais c'est un pari qu'on prend depuis quelques années on a toujours défendu comme ça sur coup de pied arrêté et ça marche on est mis en danger très rarement si après, il y a une ou deux fois où on, on s'oublie un peu sur le marquage, où, où on ne tient pas bien la ligne et, euh, et on, on se fait avoir, mais sinon, euh, ça nous réussit plutôt bien. Alors, et donc, ce qui va se passer, euh, donc, vous, pouvez aller, euh, vous pouvez aller voir la vidéo, c'est sur le, le, le top des, euh, des, des arrêts le, de, de Ligue 2 de cette journée. Euh, donc, il y a le, le centre, tu fais un petit pas vers l'avant euh, au début, et puis en fait, tu te rends compte que... Euh, que le, le ballon va aller au deuxième poteau et, euh, tu, euh, et, et, et tu recules euh, juste sur, sur ce pas que, que, que tu fais. En fait, qu'est-ce qui se passe dans, dans ta tête Il euh, y a beaucoup de gardiens en plus à, à qui on dit euh, Ah, mais une fois que tu es parti, il faut y aller. Euh, finalement, dans ces situations-là, ce n'est pas forcément vrai. Non, 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 ce n'est pas forcément vrai. Il faut, 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 faut réussir à lire euh, la situation. Et euh, sur cette situation, je vois que bah, le coup franc, il est assez loin. Du coup, je me mets assez haut. Je pars, moi, dans ma première intention, de façon sur ce genre de coup franc, c'est y aller. Et puis, je vois que Roba, il frappe euh, bien enroulé, un ballon bien tournant. Et euh, je jette un coup d'œil à ma droite et je vois qu'on qu ne suit pas le marquage et je vois qu'il y a trois joueurs libres de Valenciennes. Mais comme je ne sais pas s'ils sont hors jeu ou pas, j'essaye je me, je me, de me replacer. Et. Euh, être à peu près bien placé au moment où le mec va, va avoir l'impact avec le ballon. Et j'ai pas mal de réussite parce que je suis très très bien placé et, et bien stable au moment de sa frappe. Ouais, ce qui est... Alors moi, moi, ce que j'ai trouvé drôle d'ailleurs sur, sur, au moment où il frappe, c'est que euh, donc tu as les appuis au sol et au moment où il frappe, tu as les appuis un peu en, en, en l'air. Et tes appuis repartent pour pouvoir ensuite sortir l'arrêt. Euh... C'est euh, quoi C'est prendre l'impulsion parce que tu sens que la balle va aller vers le haut Non, c'est que... Bah, après, il y a deux... deux je pense qu'il y a deux écoles. Moi, je suis plutôt à faire pas mal de, de petits pas avant de, de pousser en général. Je fais pas mal de petits sauts. Après, je sais qu'il y a des, des coachs, des gardiens qui préconisent d'être bien stable et de pousser vraiment au moment où le ballon part. Mais vu que moi, je suis un gardien assez tonique assez vive sur mes appuis j'aime bien être en mouvement un peu avant de, avant de pousser et euh, là c'est sûr que au moment où il frappe je suis un peu en, en l'air mais je fais un petit saut et c'est ce qui me permet de, de repousser sur mes appuis quand le ballon arrive mmh. c'est presque un truc de ça te lance quoi ça te met en mouvement ah c'est ça c'est ça c'est ça et je sais pas si vous voyez mais avec le mouvement de mes mains du coup ça me fait euh, mes mains elles sont déjà euh, à mi hauteur elles sont déjà hautes et j'ai juste à monter le bras et euh, je vois que le ballon arrive sur ma main et, et qu'il sort. Du coup, je me dis c'est super. Mais après, sur le moment, je ne me suis pas dit que c'était un arrêt incroyable, exceptionnel. C'est plus après le match, quand j'ai revu les vidéos, quand tout le monde m'a dit putain, t'as fait un arrêt de fou et tout. Je me suis dit, euh... et que j'ai vu la réaction de tu aussi. Je me suis dit, euh... ah ouais, là, c'était pas mal quand même. Ouais, parce que super. là, très très vite. Ouais, c'est hein. ça, ça arrive vite. Ça arrive vite, mais euh, j je, suis, je me dis que je suis, bien, je suis bien, stable et je vois le bien, je, je vois bien le ballon arriver. Du coup, je mets ma main en opposition et j'ai la chance que le ballon est sur le côté. En plus, il part bien en corner. C'est une bonne déviation. Je, je crois qu'il part pas en corner. Je crois qu'on l'a sauve. mais euh, elle part dans la bonne zone, quoi. Yes. Ouais. ouais. très bien. En tout cas, euh, c'était sympa de, de parler un peu de. De, de cet arrêt qui est, euh, qui est donc du coup un, un bel arrêt. Euh, je prends juste euh, quelques questions euh, des, euh, des auditeurs. Enfin, une il euh, euh, y a avec les supporters et la presse des changements liés à votre nouveau statut Et je vais en prendre une autre parce que c'est lié euh, au haut niveau. Ligue 2, y a-t-il beaucoup de joueurs de champ qui commentent les performances du gardien Si oui, racontent-ils n'importe quoi par manque de connaissance du poste <laughs> Qu'est-ce qu'on raconte? <laughs> non, en général, nous, dans notre groupe, euh, non, les mecs qui ne commandent pas mes performances, il euh, bah, y a le coach des gardiens qui est là pour ça. Mais euh, non, non, après, euh, si, si la dernière fois, j'avais une discussion avec Hugo Bonnet sur une sortie bah, justement dans les pieds euh, à Nancy, j'arrive en même temps que le mec sur le ballon et on a un gros, gros choc. Et euh, du coup, l'arbitre euh, siffle pas faute parce qu'on est les deux sur le ballon et il me dit bah là il peut siffler penalty et tout et moi je lui dis ben bah, non pas du tout parce que je suis sur le ballon, on arrive en même temps, on, on a l'impact en même temps et c'est lui qui laisse traîner son pied, il me rentre dedans. Et je me rappelle j'étais sorti de ce match-là avec une blessure au bras, euh, le, le sous maillot arraché, mais on n'était pas d'accord sur ce point-là. Ouais, ouais puis Hugo Bonnet, c'est un peu un renard des surfaces, ouais, c'est typiquement le genre. Petit... À... Allez, voilà. Vrai. À laisser traîner le pied et, à, et surtout à laisser à, à pour tomber exactement et obtenir le péno. C'est un très bon joueur d'ailleurs qui lui aussi que tu as connu depuis la N1 et la N2, je crois. Ouais, ouais, et, bah. Il est là Hugo, depuis je, toujours. Ouais. Hugo, je l'ai connu quand je suis arrivé au club et ça a matché de suite. Et il a un peu le même parcours que moi parce qu'il ne il jouait pas quand je suis arrivé au début. Il y avait euh, deux attaquants devant lui et moi je lui disais toujours tu as de la qualité, continue à bosser, t'inquiète, ça va payer un jour. C'est notre super sub et un jour. Euh, il a, il a eu sa chance et maintenant il fait nos beaux jours. Hein. C'est clair. Et oh, ouais. j'ai une petite question, euh, Nico. Euh, du coup, on a parlé l'autre fois avec Vincent Prévost. Est-ce que tu peux décrire euh, une semaine typique euh, d'entraînement au Redez Bah, Si tu veux, nous, on reprend. Euh, ça dépend. Bah, on reprend le mardi par deux séances d'entraînement quand le match est le samedi. Le matin, la séance du matin, euh, on fait vidéo euh, sur le match qui est passé. Pour analyser ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. Après, euh, nous, on est tout, toute la matinée avec euh, notre coach des gardiens. On fait une, une reprise euh, tranquille. Ça dépend, ça, ça dépend ce que ça peut être, une reprise d'appui, de prise de balle, mais on reprend tranquillement. Et l'après-midi, euh, on est plus sur des jeux avec les joueurs. Du coup, on a en on a échauffement euh, 40, 30-45 minutes avec notre coach des gardiens. Et après, on bascule avec les joueurs sur, euh, sur des jeux réduits, euh, des duels. Après le mercredi, euh, on est sur des grands jeux avec, le, avec les joueurs. Du coup, on est ouais, 45 minutes, euh, une heure avec le coach des gardiens à, à faire une assez bonne séance. Et après, on va avec les joueurs. Souvent, le mercredi, ouais, c'est une bonne séance avec euh, le coach. Le jeudi, du coup, c'est spécifique attaquants et défenseurs. Il y a deux groupes séparés. Il y a un groupe qui commence soit les attaquants, soit les défenseurs. Souvent, du coup, avec les, les attaquants, on est deux gardiens. Du coup, il y a deux gardiens qui arrivent en premier qui font l'échauffement avec le coach des gardiens qui vont en spécifique. Et il y a le troisième gardien qui arrive du coup pour faire avec les défenseurs après. Et le vendredi, du coup, c'est veille de match. On est, euh, on est sur un spécifique où on fait pas mal de vivacité, de sortie aérienne, de jeu au pied pour se préparer au, au match le lendemain. Et, euh, et après, on part avec les joueurs sur de la mise en place et, euh, et des coups de priorité. Et justement, ouais. sur les spécifiques, est-ce que tu as un exercice que tu préfères euh, quand tu en fais euh, lors des séances euh, non, il y a surtout des exercices que j'aime pas trop. Lesquels Mais euh, Non, il n'y a pas d'exercices que je préfère. Après, je... un gardien, quand on est en spécifique, on est content. On est, on est, ouais. on est, plus, on est ouais, plus, content quand on est en spécifique des fois que quand on est avec les joueurs. Mais euh, euh, des exercices que j'aime pas trop, euh, les exercices où justement où on fait des sorties dans les pieds. Ok. On Pourquoi a un ballon Pourtant, j'aime trop, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le faire en match, mais à l'entraînement, c'est pas ce que je raffole. Okay. Je sais qu'en match, je le, je le fais, mais à l'entraînement, c'est pas. C'est <laughs> bah, bon vrai point. que c'est une action qui a vraiment une sorte de goût de match, en fait, d'un duel. L'adrénaline, en match. fait, ouais. ouais L'adrénaline, ouais, ouais, un peu, non Ouais, puis il y a les terrains, il y a le fait que tu travailles ça à l'entraînement, tu peux faire ça sur des terrains qui, qui vont te rappeler. Voilà, c'est ça. Difficile. Et puis c'est difficile. Ça, ouais. Tu retrouves rarement aussi le côté. Euh, c'est un peu comme ce qu'on disait sur les coups de pied arrêtés. C'est des trucs de match, en fait. Je trouve que c'est des repères de match, ces duels. Tu arriveras rarement à l'entraînement à, à retrouver cette sensation, en fait, ce côté un contre un. Déjà parce que tu travailles souvent avec des gardiens de but. Tu es un de gardien, il ne voudra pas te faire mal, alors ouais, que tu as bien ça. vu avec ta blessure au bras, là. Hum. Ils sont dans une autre optique, les attaquants. Donc, il y a vraiment plein de choses qui, qui diffèrent. Et je te rejoins vachement. J'aime beaucoup les duels en match, sortir dans les pieds. Et à l'entraînement, entraînement de gardien, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il n'y a pas vraiment de technique. C'est surtout du courage en fait. Et euh, bon, à l'entraînement, le courage, si tu veux, euh, ouais. je sais que je suis courageux, j'ai pas vraiment besoin de me le prouver euh, en me rappant sur un stabilisé. <laughs> c'est exactement ça. Ouais. Euh, ouais. Bon, en tout cas, c'est euh, super d'avoir euh, ce, ce point de vue. Euh, on, va, on va juste clore cette interview avec, euh, avec une question un peu basique. Maintenant que euh, tu bah, as fait tes 15 matchs en, en, en Ligue 2, et, euh, et, et en fait bah, réussi à, est-ce que je comprends, à revenir un peu à ton, à ton niveau que tu pouvais avoir avant tes blessures enfin, C'est ce que tu évoquais, tu disais que bah, peut-être que tes blessures avaient pu te freiner, notamment dans ta progression. Ouais. Euh, tu as eu deux, deux blessures, hein, une au tibia et puis une au, au, au doigt. Euh, C'est quoi tes ambitions pour la suite euh, À quoi tu vas penser là en fin de saison euh, on sait que notamment les, les léopards du, du, du Congo te, te font des appels du pied. C est, c est, comment tu vois ton, maintenant ton, ton plan de carrière à, à, à 26 ans, qui est, euh, qui est entre guillemets un peu vieux pour, pour passer numéro 1 euh, c c Comment tu te vois bah Déjà, dans un premier temps, moi, je me suis toujours dit que un gardien arrivait à maturité tard. Je me suis toujours dit donner l'âge de 28. D'accord. Et euh, j'ai toujours cru en moi, je me suis toujours dit que j'avais les capacités à, à pouvoir jouer au haut niveau. Et euh, là, ça fait 4 ans, c'est ma cinquième année du coup à Rodez. J'avais été 3 ans à Toulouse, 3 ans au PSG. Et Rodez m'a sorti de la merde. Et du coup, je me, je me suis toujours dit que j'aimerais tellement m'imposer ici, pouvoir être le gardien numéro 1 du coup de Rodez, de pouvoir leur rendre la monnaie de la pièce. Et euh, ouais, m'imposer ici, être numéro un et jouer une saison complète à Rodez en tant que numéro un, ce serait cool. Dans un premier oui. temps, après, je pense pas forcément, après, si, j'y pense inconsciemment, mais pas directement à, à la sélection parce que je, je sais qu'il y a eu des approches, je sais qu'ils qu regardent pas mal en ce moment. Les médias m'ont approché, j'ai fait des, des papiers pour eux. Je suis en contact du coup avec Marcel Tisserand euh, régulièrement, lui aussi. Euh, il est capitaine de la sélection, du coup il me suit un peu. Mais j'y pense pas trop pour le moment. Je, je suis concentré sur Odès. J'espère faire euh, une bonne fin de saison. Parce que c'est excitant de jouer une fin de saison en Ligue 2. On ne l'a pas connu l'année dernière et là, cette année, on la connaît. Vrai. Mais euh, ouais, je suis vraiment focus sur Odès et euh, aller chercher cette place de numéro 1 pour l'année prochaine. Top top. Très bien. Justement, moi, j'ai une dernière question pour clore l'interview. C'est par rapport à cette place de numéro 1. Euh, moi, on se connaît depuis 3-4 ans maintenant, depuis les années N1 en fait, de Rodez. Euh, C'était pour savoir un peu. J'étais toujours connu sur les réseaux sociaux et même, bah, comme je le disais, extrêmement apprécié du vestiaire. Et avec ce côté on, dont on parlait en off, un peu ambianceur. Euh, je sais que ça, ça, ça te va bien et c'est naturel chez toi. Est-ce que tu as dû ravaler un petit peu ça lorsque tu as passé numéro un Je le mets entre guillemets, parce que je sais que tu pas le terme. Mais depuis que tu t'es mis à jouer, est-ce que tu restes avec cette, cette joie de vivre au quotidien Ou est-ce que tu penses que ça peut te mettre un peu de pression de, entre guillemets, encore une fois, faire l'idiot ou faire l'ambianceur dans le vestiaire comment tu, comment tu gères ce passage en fait de je joue moins, je suis ultra présent dans la vie du groupe ah, je joue, est-ce que tu es toujours aussi présent? J'ai noté que tu étais un tout petit peu moins euh, actif sur les réseaux sociaux, dans les stories, tu es un chouïa moins, mais est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est juste il y a une lassitude parce qu'on a tous un petit peu marre d'Instagram? Je sais pas, je te pose la question vraiment. Je me pose la question. Non, 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 ça n'a pas changé. Je suis toujours euh, toujours pareil, toujours la même joie de vivre, et euh, je pense que cette image là, elle m'a un peu desservi euh, bah, de mon passage à Rodez parce que. Je pense que le staff aussi avait un peu peur aussi de cette image. Avaient, je pense qu'ils avaient peur de me mettre sur le terrain, de peur que je, 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 je reflète cette image sur le terrain. Mais euh, non, non, moi, je reste moi-même, je reste, moi -même, je reste euh, joyeux, souriant, toujours à déconner. Et ça, ça ne changera pas. Après, oui, je poste beaucoup moins, enfin un peu moins sur les réseaux. Euh, comparé à avant, parce que je sais que maintenant il faut que je fasse attention à ce que je poste, euh, que mon Instagram est un peu plus suivi et que, que ça pourrait faire parler si je postais comme avant. Mais euh, non, 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 je me, je me mets pas de pression du tout par rapport à ça. Je me dis pas si je poste, ouais, je, vais me faire, euh, je vais me faire engueuler. Non, non mais ça, c'est pareil. Il y a même Valentin Henry dans l'équipe qui me dit tout le temps Putain, arrête tu fais que snapper, tu es tout le temps en train de, en fin de filmer et tout. Je lui dis Bah, euh, si tu veux pas me voir, euh, supprime-moi. Du coup, deux, trois fois, je l'ai supprimé et il m'a supplié de le rajouter. Du coup, euh, que ça plaît. Et en plus, les gens, quand ils ne quand ils me voient pas snapper en général, les gens se demandent si j'ai un problème, si je vais mal et tout. Du coup, euh, non, 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 je change pas. Bon, bah, tant, mieux. tant mieux. Mais c'est intéressant ce que tu dis quand même par rapport au, au staff. Parfois, ils ont du mal à dissocier le fait qu'on euh, ne pas se prendre au sérieux et être sérieux. Et c'est vrai que c'est totalement. Euh, c'est pas forcément, l'un va pas forcément avec l'autre en fait. C'est Donc c'est bien, bien que tu le précises et puis surtout c'est super que tu aies pu prendre ta chance et que la question soit balayée. C'est clair. Alors top. Euh, non, mais... Juste. Euh... Petite remarque de Valentin, les repères en match sont totalement différents, comme pour le jeu aérien, où il y a plus d'opposition. Donc c'était notamment lié aux, aux, aux sorties. Euh, évidemment, on embrasse Valentin. Euh, et ensuite, bah, continuez à mettre vos questions. Il euh, y, y a certains thèmes qui appelleront d'autres questions pour, pour Lionel. Euh, donc n'hésitez pas. On enchaîne maintenant avec euh, du coup Mike Maignan. Euh, Mike Maignan qui, euh, qui a joué euh, donc un choc ce week-end face, euh, face au PSG et, euh, et qui a vu le loss que s'imposer 1-0 euh, contre, euh, contre le PSG de Kaylor Navas. Je vous propose de revenir sur la performance du, euh, du français. Euh, Thomas, est-ce qu'on peut parler de match référence pour Mike Maignan euh, match référence pour euh, support collectif ça c'est sûr Mais sur le plan individuel je ne sais pas si on peut parler vraiment de match référence a priori pour euh, MacMillan Même si c'est un bon match de sa part Mais moi j'ai souvenir de son match euh, aller du coup à San Siro euh, Face au Milan AC en Europa League Où vraiment j'allais trouvé bon, il avait fait bonnes interventions Il était très bon dans la relance et dans l'attitude j'avais beaucoup aimé Là c'est euh, entre guillemets il est un peu moins brillé euh, Face au PSG que face à Milan même s'il a été correct donc match référent, je sais pas si le terme est, ad est adéquat. Après, on, on peut en discuter bien évidemment, mais en tout cas, c'est un bon match euh, pour Mike Maignan et qui illustre sa bonne saison, sa, ou voir sa très bonne saison, plutôt sa très bonne saison plutôt euh, avec le PSG, avec euh, Lille, pardon, euh, et qui prouve aussi que Maignan est l'un des meilleurs gardiens de Liga avec euh, bah, du coup euh, Karim Navas. Donc c'est très bien pour lui. Euh, on avait parlé, je sais pas si tu te rappelles, Nico, de lorsqu'on avait préparé euh, le, le club par club euh, cet été. Tout à On avait fait. Il dit qu'il serait intéressant de voir euh, sa progression, notamment pas que euh, d'être régulier, aussi dans les matchs décisifs aussi, et qu'ils prenne un peu plus d'épaisseur, si je puis dire. Et il, a, il prouve cette année, donc c'est très bien pour euh, Lille, c'est très bien pour lui, c'est très bien pour le futur du football français. Donc euh, bien pour Mainian à confirmer, à suivre, parce que franchement, euh, si euh, ils arrivent à décrocher le titre, Ménien euh, aura joué un rôle euh, dans cette quête euh, du titre pour les Dogs. Antoine, toi aussi qui as regardé le, le match, euh, qu'est-ce que tu as aimé ou moins aimé sur le match de, de, de Mike Maignan face au PSG ben Moi, en fait, je, je vais vous dire très honnêtement, il n'y a pas d'arrêt qui m'ait marqué particulièrement. C'est plus un truc que j'ai trouvé qu'il avait dégagé, c'est de rayonnement et de présence. Euh, de la présence vocale, notamment, le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs. On a pu entendre deux trois fois qui, qui sermonnait des joueurs, notamment Fonté, qui est quand même... Euh, le capitaine est le plus ancien, le doyen du groupe. Donc euh, ça, ça m'a marqué, ça m'a marqué sa présence sur les ballons aériens, notamment en fin de match. Euh, tu sens qu'il en impose, qu'il y va, qu'il garde les ballons. Euh, voilà, je trouvais que c'est un gardien, on le sait depuis euh, là, depuis 7-8 mois, qui prend énormément d'épaisseur. Euh, c'est l'aboutissement naturel, en fait, cette rencontre. Euh, voilà, c'est euh, le top en Ligue 1 aujourd'hui euh, avec euh, Kaylor Navas. J'ai hâte de le voir sur la scène européenne l'an prochain. J'espère qu'il restera à Lille, parce que c'est bien pour la Ligue 1 d'avoir des gardiens comme ça. Et ce sera bien de le voir en Ligue des Champions. Euh, encore, parce qu'il y a deux ans, il était quand même un tout petit peu moins mûr qu'on qu peut le voir aujourd'hui dans les rencontres de, cette, de ce standing. Donc euh, voilà, tout simplement. Euh, pas particulièrement emballé par sa prestation, mais emballé par le gardien qu'il devient. Parce que moi, j'attache beaucoup d'importance à, à ce que dégagent les portiers dans les rencontres. Et euh, voilà, il rate un 6 mètres à un moment. Il y a frappe de Keane, Il fait l'arrêt. Il ne s'enflamme pas pour l'arrêt. Il s'excuse parce qu'il sait que c'est fini. Il a rattrapé sa petite erreur et il passe à autre chose. Et c'est un truc qui me voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de sérénité qui se dégage de lui. On, est, on ne n'est pas gardien, on le devient. Ah, c'est beau. Ouais. Merci Antoine. Euh, Lionel, toi qui l'a connu, euh, euh, Mike, euh, on a beaucoup parlé de lui depuis le début de saison. Euh, juste, c'est quoi son, son caractère en fait euh, Quelle personnalité il a, par exemple euh, on, on voit et, et, et qui, qui se dégage également sur le terrain bah, euh, Mark, euh, ma, pardon. Mike, euh, ce qui, ce qui m'a toujours marqué chez lui, c'était sa force de caractère. Il a un très 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 gros caractère. Mais ce pas nouveau, c'est depuis qu'on était jeunes. J'ai je, des petites anecdotes quand on était au centre de formation et en concurrence. Il prenait plus de buts que moi, du coup le coach lui reprochait ça. Il n'avait pas peur d'aller dire au coach, bah, mettez-le si vous en avez envie. C'est comme ça, tu vois. Et, mais je suis souvent en, en contact avec lui, je, je regarde ses matchs souvent. Et Mike, il, il ne il fait que monter en puissance. Et moi, ça ne me, me choque pas du tout parce que je sais que ça va être un super gardien. Mais sa force de caractère, ouais, tu, tu sens que le mec, il, il est costaud mentalement. Très bien. Et bien justement, on va, euh, on, on va juste se poser la question parce qu'il euh, y a un arrêt qui a retenu notre attention. Euh, parce qu'il y avait 0-0 et, euh, et, et c'est sur le génie français qu'il y a Mbappé, euh, notamment à la, à, la, à la 12e, 14e minute, euh, toujours un petit, euh, un petit hommage à Stéphane Guy quand même, et, euh, et, et, et qui a sorti la, la balle avant le but de, euh, avant le but de, de Jonathan David. Euh, voilà, la question que je me suis posée dans, dans mon papier, euh, c'est est-il bien placé euh, Est-il bien placé sur Staré avec, euh, avec Mbappé euh, parce que bah, on, on, va le, on va le revoir, euh, c'est que bon bah c'est une passe en profondeur de Neymar sur, euh, sur, sur la, la droite de, de la défense lilloise, euh, jallo est, est, euh, est, est pris dans le dos, et puis on voit donc Meignan qui est, qui est euh, donc devant ses 6 mètres assez, euh, assez haut pour gérer la, la profondeur, et ensuite qui va se décaler au moment de la prise de balle de, de, de Mbappé. On se dit bon bah voilà il il est a, a arrivé euh, à sa position, euh, à sa position euh, terminale et en fait qui va jusqu'à mettre un pied, et donc euh, on, va, on va le voir un peu mieux sur, sur, ce, sur ce, cet écran là, le pied droit carrément sur le poteau. Euh, alors que on se dit dans, dans beaucoup de situations, le gardien euh, il, il couvre un peu son premier poteau, mais pas jusqu'à mettre son appui euh, qui touche le poteau. Euh, Antoine, on avait notamment parlé un peu du, du but pris par Bernard Denis il y a quelques semaines euh, contre, je crois que c'était contre Nîmes. Euh, pourquoi, pourquoi cette prise d'appui et, euh, et, et comment tu juges son placement sur cette action Alors déjà, il y a un truc qui m'avait marqué euh, en direct, c'est la, la spontanéité de la frappe d'Mbappé. Euh, souvent, on sait qu'il aime bien toucher la balle. Là, Mbappé, il avait enchaîné très, très vite du pied gauche donc euh, j'avais été euh, surpris moi-même en regardant. Donc je pense que Maignan pouvait avoir été surpris à, en étant sur le terrain. Euh, ensuite, c'est une technique euh, qui est assez commune. J'ai envie de dire, c'est parfois de laisser un peu plus ouvert un côté pour se laisser une marge totale de, de, du côté qu'on a laissé ouvert. Là, ça paraît complètement improbable que Maignan prenne le ballon au premier poteau et ça lui laisse tout le loisir de se dire je défends à fond ce côté ouvert. Donc euh, la donc la frappe croisée on peut penser que c'est un pareil comme ça d'ailleurs il a. Je pense vraiment que c'est improbable parce que moi Mbappé euh, moi je m'en souviens de son but face à Man City contre Caballero il met une, euh, il met une sonde premier poteau euh, son, euh, contre alors Ter Stegen. non il y avait beaucoup plus d'angle donc ça, ça compte pas mais je l'ai vu quand même mettre des, des grosses frappes premier poteau pourquoi c'est improbable bah parce qu'il a le pied sur le poteau et que Mbappé il est un peu en bout de course avec son mauvais pied je le vois mal Mbappé de, à cette distance mettre une frappe s'il si met une frappe dans la lucarne euh, premier poteau, tu lui dis bien joué en fait, il n'y a pas grand chose à, à dire. Hein. De toute façon, quand tu prends des frappes dans les lucarnes, euh, dans ses... que ce soit angle fermé ou pas, il n'y a rien à faire. Hein. Donc, euh, parce que c'est trop haut ou que c'est trop loin. Donc euh, voilà. Moi, ce qui me fait sourire, c'est qu'il est quasiment. Vas-y, vas-y, fini, Moi, ce qui me fait sourire, c'est que quasiment Ménian il est quasiment à la prendre avec. Pas avec le bout des doigts, il la prend sous la main, la frappe. Ce qui veut dire que le fait qu'il se soit laissé autant de marge, ça a failli le desservir parce que dans son plongeon et dans sa sortie de bras, il allait plus loin que ce que le ballon ne demandait. Donc euh, voilà, et après, il a un peu de réussite parce que la balle, elle, elle, elle flirte avec le montant gauche. Euh, maintenant, moi, je trouve que c'est une bonne gestion de Ménian. Euh, en tout cas, dans son déplacement, ça ne me choque pas du tout. On voit qu'il est assez haut. Il se resitue très vite parce qu'il était au 5,50. Et sur le temps de passe, il arrive à reculer sur sa ligne, comme le montre son pied droit sur cette image. Donc ça veut dire qu'il a quand même énormément reculé en, sur le temps de passe. C'est assez impressionnant, ce qu'il a fait 6 mètres. Euh, voilà, euh, bonne gestion. En étant plus bas, il se laisse du temps par rapport à une frappe du gauche d'Mbappé, euh, ce qui évite souvent euh, bah, des frappes où tu vas au duel parfois et bah, tu te retrouves à être piégé entre les jambes ou, ou être piégé sur le petit côté. Là, ce n'est pas le cas. Je trouve que Meignan, c'est un peu ce que disait Lio sur le ballon, sur son arrêt face à Valenciennes. Il se réajuste et ça lui laisse plus de temps. Et après, il se bloque dans le bon tempo par rapport à la spontanéité de la frappe. Pardon. Et il réalise cet arrêt main gauche qui est, ça me doute, pas évident, bien que qui est pas très académique non plus de sa part. Mais le ballon, il est dehors à 0-0. Ça change le match. Lio, donne ton avis, si tu veux, sur ces, ce genre d'action moi, moi j'ai fait le rapprochement, c'est Jean Buté, qui me disait source Jean Buté, gardien d'Antwerp en, en, en D1 belge, qui me disait tout le temps, euh, on s'est connus à Lille, et qui me disait tout le temps, parfois quand tu sais qu'il va tirer d'un côté, bah, tu lui fermes à fond l'autre côté pour l'inviter et le rassurer sur ce côté-là. Peut-être qu'il ne spécule pas autant, mais, non, mais en tout cas, sa gestion, elle me semble pas euh, scandaleuse. De toute façon, quand tu fais l'arrêt, ouais, tu, tu euh, peux rapprocher. Voilà. Non, moi je, moi je trouve que son placement, là, il ne me choque pas du tout. Parce que oui, Mbappé, il en... Certes, il a déjà marqué des buts au premier poteau, mais il a un défenseur au cul quand même. Du coup, il, se, il est bien placé pour fermer, euh, fermer son premier poteau. Et comme euh, dit Antoine, euh, Antoine, il se laisse euh, de la marge. Il lui dit, euh, il l'invite à tirer là, quoi. Il l'attend sur ce côté. Et ouais. comme il dit, comme dit Antoine aussi, il est sur sa ligne. Et du coup, il se laisse. Euh, un temps d'intervention entre guillemets par rapport à la frappe d'Mbappé et il touche ce qu'il faut du ballon et il mis la main en dehors du but c'est après c'est ce qu'on lui demande parce qu'on voit qu'Mbappé il est assez loin il est assez loin oui. il doit être à 12 mètres je pense c'est un petit peu moins mais du coup en étant plus bas c'est ça qui est intéressant il se laisse plus de temps dans un angle qui est quand même assez fermé et en plus il y a le c'est Dalo pardon Dolo qui re Dalo pardon qui, qui revient. Donc euh, encore une fois, je trouve assez calme, serein, calme. Il, il sent qu'il maîtrise, euh, il maîtrise le truc, il maîtrise la gestion du duel. Il peut pas intervenir sur la passe profondeur de Neymar. Qu'est-ce qu'on fait On recule, on se laisse du temps et euh, on fait la, la bonne parade. Même si encore une fois, il a un tout petit peu de réussite parce que comme je vous l'ai dit, euh, je sais pas si on aura l'angle là, mais ceux qui ont vu le match en direct ou qui voient le replay, la zone avec laquelle il intervient, sa main. C'est pas très très net. C'est le côté non. de sa main, quoi. Oui, oui. Elle lui passe quasiment bah sous, le, sous la tranche. Hmm. Bon, C'est la réussite des grands gardiens. Ouais. D'ailleurs, euh, Lionel, on n'en a pas parlé, mais euh, tu as quand même des plus grandes mains que nous. Hein. <laughs> oui, mais, euh, mais Mike euh, a des larges ouais, de mains que moi. Il fait du 12. Ah ouais, ouais, il fait du 12, ouais. Ah ouais. Alors que <laughs> moi, je fais du 9. Du 9, du coup, bon. ah pas du tout les mêmes mains. <laughs> non, très bien ça, je me rappelle c'est Edouard Bendy quand je lui avais euh, serré la main aussi euh, c'est exceptionnel euh, donc très bien bon ben en tout cas merci pour, pour ce retour sur, sur Ménian. ça permet d'éclairer un peu euh, sur, sur, sur cette phase de jeu euh, on enchaîne euh, avec, euh, avec la forme de Manuel Neuer parce qu'il va affronter le, le, le PSG euh, Antoine toi as regardé euh, Leipzig contre le Bayern voilà, euh, en en euh, là... j'ai enchaîné sur euh, l'île psg et après j'ai fait euh, Leipzig-Bayern-Munich. Ah, Peut-être qu'elle est fan du championnat allemand, on ne sait pas. J'espère pas. <laughs> Alors... J'ai regardé euh, Leipzig-Munich, qui est un match important aussi, parce que c'était le second qui recevait le premier. Euh, et Munich a gagné 1-0 grâce à un but de Goretzka. Et on avait un bon match de gardien goulachil, gardien hongrois, a été vraiment plutôt solide, toujours bon dans son jeu de relance court et qui a fait deux trois bons arrêts notamment face à Leroy Sané. Et Neuer également a été très bon, euh, très sobre. Il a fait trois quatre arrêts importants sur des ballons euh, pas pas si évidents que ça à gérer. Euh, il a été très sobre dans son jeu au pied. On a senti qu'il avait compris la dimension, l'importance du match. C'est-à-dire que souvent Neuer, ça me fait penser un peu à Federer dans les Premiers, les Premiers jeux des grands chelems, vous savez, Fédéral, il a tendance à tenter des choses, des prises de raquettes, ce genre de choses, des coups un peu plus difficiles. Et on voit souvent Neuer faire ça quand il y a 3-4-0, il joue un peu différemment. Et là, il a pris à pleine mesure de l'événement et de la semaine pour le Bayern Munich, parce qu'ils pouvaient tout perdre aussi cette semaine. Et euh, il a été très bon, très sobre. Et euh, ça fait du bien de voir qu'il s'est joué comme ça aussi, en fait. Euh, par exemple, en fin de match, euh, il y a un peu plus de pressing du côté de Leipzig. Il a envoyé en touche deux trois fois. Voilà, il est humain. C'est <laughs> comme Mbappé qui prend pas la touche supplémentaire. C'est ouais, pareil. Voilà. Frappe en première attention euh, Bon bah, en tout cas, euh, il, est, très... il est en bonne forme physiquement. Ça va. Je trouve qu'il a, ouais. il a encore, il est encore, il est rapide. Il a été puissant. Il a été bon sur deux trois ballons aériens. Il a toujours ses relances à la main de, de 55-60 mètres qui sont super cool. Et, euh, et voilà. On avait une question, Lionel, euh, sur, euh, euh, sur notamment ton idole. Alors, euh, j'ai lu que tu, étais, euh, euh, que, que tu étais fan de, euh, de Marc-André Terstegen. Euh, pourquoi Parce qu'il est super complet. Moi, qui aime jouer au pied, qui a, qui a beaucoup. Euh... Beaucoup appris à jouer au pied en formation. Ter euh, c'est l'exemple. Pied droit, pied gauche, il met le ballon où il veut. Il n'a pas peur de jouer au, au pied avec ses défenseurs. Et euh, comme disait Antoine, c'est pas un gardien super grand. Et euh, du coup, il est, je m'identifie à lui parce qu'il est super super dynamique. Après, on n'a pas, on a pas eu la même école de, de formation parce que c'est lui, c'est les arrêts des gardiens, des gardiens allemands beaucoup en opposition mais euh, je trouve qu'il fait ça à la perfection et euh, ouais que, que c'est l'un des, des meilleurs actuellement avec Neuer, Navas c'est sa technique surtout techniquement tu trouves que c'est euh, ouais, le top le, niveau ouais. Ouais, techniquement il fait tout à la perfection je trouve très bien euh, bon, en bon, tout cas, top pour, pour Marc-André Perstegan. Et l'autre question qu'on avait, c'est c'est qui ton idole de jeunesse Alors, c'est pas que tu es vieux, hein, t'as à le même âge. Euh, mais c'était qui euh, Avec qui Avec quel gardien en tête tu as, tu as grandi Moi, par exemple, c'est Greg Coupé, toi, c'est qui Étant jeune, moi, j'aimais bien Mandanda. Je m'identifiais pas mal à Steve Mandanda, ouais. Ouais, Steph 2008. Je suis... mmh. Injouable. Ouais. Ah ouais. Même au Havre tu le suivais ou, ou quand il est venu à Marseille Ouais au ouais, bah, bah, ouais, Havre je suis, bah je connais beaucoup le, les gardiens du Havre parce que j'étais en contact avec Zachary Boucher, je l'ai connu à Toulouse, j'étais en contact avec Brice Samba du coup, et oui je, je regardais beaucoup, en plus on jouait beaucoup contre le Havre nous en formation, du coup j'allais j'allais pas mal sur leur site, je regardais pas mal ce qu'ils faisaient et euh, ouais franchement Mandanda c'était c'était vraiment vraiment un gardien que j'aimais beaucoup euh, quand j'étais jeune. D'accord, moi très bien en tout cas pour, pour Steve et, euh, et donc pour cette forme de Manuel Neuer. Pour clore cette émission, euh, je vous propose un débat euh, suite à ce qui s'est passé, euh, notamment en Ligue 1, euh, lors de ce euh, lors de ce week end. On a vu trois situations d'arbitrage où les gardiens ont été, euh, on va dire, désavantagés. Euh, sur ces situations on va les, les redécrypter euh, rapidement au long du débat mais il y a eu il euh, y a eu si on prend par ordre chronologique euh, Kaya qui a, qui a concédé un pénalty sur Jovetic euh, on a eu Rajkovic euh, qui s'est fait un petit peu tamponner le, le bras et qui a pris le but par la suite et on a vrai. eu ça euh, contre Rennes, et on a eu Green, euh, Etienne Green, le, le, le fameux gardien Sté stéphanois euh, qui, a, qui a connu sa première en Ligue 1 et qui a euh, concédé un penalty euh, assez improbable. On va revenir dessus. Ouais. Euh, donc, d'abord, est-ce euh, que, euh, est que vous sentez que l'arbitrage des gardiens a un peu changé Par exemple, toi, Thomas, est-ce que, est que tu vois une petite évolution euh, je sais pas s'il y a une évolution, mais en tout cas, ce week-end, les fautes ont été sifflées. Bah, les fautes. Est-ce qu'on peut appeler ça des fautes déjà euh, Parce que déjà, rien qu'à vitesse réelle, euh, notamment je parle de Green, euh, je ne vois pas comment ici penalty pénalty. Alors, bah, justement, on va on va y revenir. Je... Donc, euh, on, Et je disons, une question à Lionel à poser justement. c'est souvent en début de saison, euh, y a euh, les arbitres interviennent dans les clubs pour parler des questions d'arbitrage, etc. Est-ce qu'ils abordent, ils font un chapitre spécial gardien, ils discutent avec vous euh, des, des zones euh, qu'ils consultent euh, voilà, sur les sorties aériennes, notamment, est-ce qu'il y a protection du gardiens et puis ces sorties-là aussi Est-ce qu'ils parlent avec vous, les arbitres, là-dessus euh, Non, pas du tout. Non. Ok. C'est intéressant cas, de voir, parce dit... que, non, notamment, euh, <laughs> c'est intéressant de voir, quand même, parce que, voilà, ça mais peut, peut expliquer que aussi, que... c'est là. là. Peut-être que... Peut que ça se fait au début de la saison, mais euh, à ma connaissance, euh, nous, on a. On n'a aucune consigne particulière euh, cette année sur les arbitres de Ligue 2. En tout cas, le capitaine ne nous a rien dit euh, sur ce qui, ce qui pouvait changer sur l'arbitrage de l'année dernière à, ce, à cette année-là. Ok. C'est intéressant ah. de savoir parce que généralement, euh, les, quand il y a des grands changements, entre guillemets, euh, et souvent les arbitres parlent avec les, euh, les joueurs euh, et les entraîneurs aussi. Donc il y là, si, là, il n'y a, a pas eu de changement, donc euh, il n'y a pas eu de discussion, je pense. Et après... Je pense que le débat, euh, vraiment, euh, on prend avec des situations de jeu où les arbitres n'ont pas pris la bonne décision. En fait, je ne pense pas fondamentalement qu'il y ait un changement dans la. Alors, mais, du coup, Thomas, on, 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 je pense que notamment celle de Green, comme tu dis, on peut dire qu'il prend la mauvaise décision. C'est peut-être une erreur d'arbitrage. Euh, je ne sais pas si on est tous d'accord sur le fait qu'il ne ah bah, pas d'accord, Moi, je n'ai pas revu l'action. Non, mais en fait, non, mais les gars, on est en train de, de se tromper totalement. Je pense qu'il y a absolument pas faute sur les, mmh? sur les deux situations de pénalty, que ce soit Caillard ou. On... Ce n'est pas une question d'arbitrage, c'est une question mais, de. Antoine, comment je suis d'accord avec toi on... sur Caillard. Mais vas-y, Antoine. Pour moi, donc, on... je commence par Étienne Green, puisque Thomas a commencé par parler d'Étienne. Je vais resituer un peu le, le contexte pour, pour Lionel qui n'a pas vu l'action. En fait, c'est le numéro 13 de Nîmes qui se présente face à Green, qui pousse un petit peu le ballon. Euh, et qui, au moment de l'impact, va essayer de, tu sais, de toucher le ballon une dernière fois pour s'empaler sur Green. Manque de peau, Green, il arrive les deux mains sur le ballon assez superbement. Un truc qu'on te montre en école de foot à, à, à Toulouse, notamment au TEF. On faisait souvent ça, où euh, on sortait sorti dans les pieds à l'impact, au contre sur le ballon. Green le fait magnifiquement. Le ballon repart extrêmement nettement. Le problème, c'est que le 13, il va le dingue parce qu'il euh, a pas sauté, tout simplement, et qu'il a voulu jouer le coup du penalty. Et du coup, bah. Il se prend euh, Green qui arrive plus le ballon entre deux, du coup, bah, il a un impact qui est solide. L'arbitre siffle faute, ce qui peut paraître totalement euh, surréaliste, et encore pire avec les ralentis, et encore pire quand on voit comment le ballon repart, on sent que c'est le gardien qui donne cette direction au ballon. Donc, il n'y a juste pas du tout penalty Et encore une fois, ça, ça nous fait penser, on voit tout le temps des réas sortir, comme disait... Euh, Lionel, un peu dans les sorties de gardien, ce qu'on appelle nous en croix. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu sors dans les pieds, entre le, la malice des attaquants qui touchent les ballons juste avant l'impact, euh, qui touchent le ballon, pas pour le jouer, hein, qui touchent le ballon pour qu'ils puissent s'emparer sur toi, et euh, les arbitres qui sont totalement euh, inconscients des, de ce que demande le poste, ben voilà, ça donne ça. Ça donne des erreurs d'arbitrage et ça donne des gardiens qui ne sortent plus dans les pieds. Donc, mais, euh... alors, voilà, moi, moi c'est l'impression que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'avant, on avait euh, une sorte d'impunité. Alors, au-delà au au -delà du fait, mais moi, je trouvais vraiment qu'on avait une impunité dans le sens où, euh, limite, euh, tu défonçais un peu l'attaquant, la, la, c'est le gardien, c'est normal. Mais, mais même moi, sur suis sorti dans les pieds, je, en tout cas, euh, à chaque fois, on a dit, enfin, au quête, enfin plusieurs fois, on m'a dit, oh, t'as de la chance, t'es le gardien. Euh, et, euh, et là j'ai l'impression que ça, ça évolue euh, dans un mauvais sens hein. moi je suis pas du tout d'accord avec cette évolution et Lionel, toi tu, tu disais notamment que tu sortais beaucoup dans les pieds, est-ce que tu as vu une, une évolution par rapport à ça, par rapport aux sorties dans les pieds Moi j'ai pas vu une évolution parce que j'ai toujours, toujours eu l'habitude de faire ça, de sortir comme ça dans les pieds, mais euh, bah, dans les situations que j'ai eues, dans les matchs que j'ai eu à jouer, j'ai Souvent eu l'impression que les joueurs étaient surpris que je sorte comme ça, qu'ils avaient, qu'ils étaient choqués de me voir là aussi rapidement. Et euh, je me rappelle même euh, le match à quand je suis sorti dans les pieds de l'attaquant de, de chez eux, et euh, en, en se replaçant, il m'a dit euh, la prochaine fois je tacle. Mais euh, ils sont, ils, ils, ont, ils ont, ils ont, tellement pu trop de situations comme ça, et en plus, surtout qu'en plus on joue avec des, on joue sur des, des terrains qui sont pas mal arrosés, qui fusent pas mal. Du coup, euh, sortir dans ben les pieds, moi je trouve que c'est un geste qu'il faut qu'il faut faire, qu'il faut répéter surtout, et euh, qui peut te sortir de, de pas mal de situations si tu le réalises bien. D'accord, donc tu n'as pas vu d'évolution. Euh... Je pense que ce qui est dangereux, Nico, aussi, c'est au-delà de ce que tu dis, il y a aussi la question des attaquants qui ont gagné avec cette espèce, comme je te disais, de malice qui oui. désormais joue le pénalty. C'est ça. C'est un truc qui existait moins avant. Aujourd'hui, il, il y a des joueurs qui se contentent, comme je te l'ai dit, juste avant l'impact sur le ballon du gardien, de limite dégager le ballon sur le côté pour que le gardien ne touche pas le ballon et qu'après, eux, s'empalent sur tes mains. Mais il, faut, il y en a beaucoup qui font ça et qui ne jouent plus une, une action pour marquer, mais qui font une action pour, pour obtenir, exactement. Et le problème, c'est ça. Donc maintenant, on voit des gars, bah, oui, c'est ça. Gaëtan UAR qui était quand même extrêmement... Euh, habitué de ce genre de sortie très spectaculaire, même s'il le faisait sur le ballon, ben aujourd'hui, est-ce que ça passerait C'est une des questions. Moi, ce que je pense qui est vraiment problématique, c'est la méconnaissance des, des arbitres, en fait. Parce que siffler pénalty, et tu regarderas Lionel l'action sur euh, l'intervention de Green, c'est juste scandaleux. Mmh. Et, et en plus, et moi, attends Nico oh, bah. on va plonger en, en, en ce que disait Antoine, ces deux situations-là sont confirmées par la var. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Quand un arbitre change de décision après la VAR, c'est qu'il perd des points au niveau de sa notation. Donc ça aussi, je pense que la VAR, on dit ouais c'est un appart bénéfique, Et, mais même dans cette situation-là, c'est pas bénéfique parce que bah personnellement pour l'arbitre, ça peut on va dire le, le le pénaliser pour sa carrière, pour sa notation, pour son classement. Donc c'est vrai coup, que c'est malheureux quoi. Mais il perd pas plus de points en se trompant deux fois du coup Ah bah parce qu'en gros ce qu'il considère c'est que gros c'est tu te déjuges en fait quand tu euh, avec la VAR. Alors, Oh alors la var, bah, je, dis pas que que logique, eux, je dis pas que bah, pas 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 c'est logique, hein. c'est hein, les règles d'arbitrage et tout. On le rappelle c'est une erreur manifeste où tu fais appel à la VAR. Donc ouais, il considère. Oh oh que... moment, Pallois euh, on l'a vu l'erreur non, non, des souvent des fois. non, non, on a non, a non, non, je parlais de <laughs> je parlais. Euh... Euh, non, mais tu fais bien d'en parler, Thomas. Moi, je vais juste parler un peu de celle sur Kayar euh, et, et, et là, je parlerai de la VAR. Euh, moi, ce qui m'a gêné sur Caillard, et pour moi, c'est même pas le gardien là. C'est que j'ai l'impression maintenant, et je pense que vous, on, on, on voit plein de situations où l'attaquant, il finit de frapper, et pour une raison, pour une autre, son pied va toucher le défenseur ou le gardien, et il va avoir penalty. Et moi, j'ai vraiment vu cette différence. Avant, ce truc-là, je voyais que dans les jeux vidéo. Je voyais, bah, euh, c'est lié au, euh, au, au, à l'algorithme auquel je jeu vidéo, bah, des fois, il n'est pas bien configuré. Et donc, même si tu as fini de frapper et que euh, tu touches ensuite le mec, il bah, y a pénalty. Et moi, c'est ce qui a changé à la VAR. Et là, on le voit avec Kayar, il fait sa croix, euh, Jovetic, il frappe, et en fait, dans le prolongement de sa croix, il fait tomber Jovetic et il y a, a pénalty. Moi, c'est un peu l'analyse que je fais sur, le, euh, sur celle de Kayar. Alors, je ne sais moi, je pas, je pas si c'est une question hein. de... Pour moi, pour il moi, n'y a pas faute en fait. Tout simplement, je ne sais pas, ouais. pas. Je sais pas. C'est l'arbitrage qui change, ou c'est. Je crois que c'était Monsieur Tual, non Ce que j'ai vu sur Twitter, euh, les médecins. Qui ma... Je ne sais pas si c'est Tual, ce match. -là. Je ne sais pas euh... si c'est Tual. Pardon, mais Amel, il mais dire. dire toi, -Amel. Amel. En tout cas, Amel, les, les médecins sont déchaînés contre lui parce que ça fait plusieurs fois cette année qu'il y a eu des problèmes contre eux, avec cet arbitre en particulier. Euh, en l'occurrence, ça m'a fait penser. C'est ce que je, te dis, je vous disais en off, à l'écrit. Euh, L'action de Caillard me fait penser à Thiago Silva, qui a pris un jaune, un deuxième jaune synonyme de carton rouge dans la débâcle de Chelsea contre West Brom 5-2 euh, samedi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une frappe à l'entrée des 16 mètres. Silva, main dans le dos, euh, fait une espèce de croix euh, pour, ce, pour, ce, pour, pour protéger le but, en fait, pour contrer le ballon. Et en finissant le geste, il va toucher l'adversaire. Carton jaune, franc à l'entrée des 16 mètres et, et, et rouge. Mais en fait... Euh, quand le ballon il est parti, il est plus jouable. D'autant plus que c'est involontaire, c'est dans la suite du mouvement. Je sais pas si c'est une évolution de l'arbitrage ou si, encore une fois, je me répète, ils sont juste débiles. C'est une pas évolution débile mais... de l'arbitrage. Pas, pas débile, mais pas <laughs> bon. Ouais, voilà. mais, alors, je sais pas si ouais. c'est pas bon, débile. Bon. Non, mais ils n'ont jamais euh, joué au ça, foot. Ça, faut... non, mais ils fait... ont jamais joué au foot. Parce que... Parler, enfin, la synergie, le mec fait une intervention, la synergie et l'autre, notre copain adversaire, fait en sorte qu'il se rentre dedans. Et il y a faute, là, mais comment Caillard peut être sanctionné d'une faute alors que le ballon est déjà hors du cadre Encore Caillard, il fait sa croix un peu comme ça, maladroitement, et il touche Jovetic au moment de l'impact. Jovetic, il a eu peur et il rate son, son piqué. Tu peux dire éventuellement jeu dangereux. Tu peux te cacher derrière ça. Mais là, le ballon, Caillard, il est part... le ballon, il a dépassé Caillard de 5 ou 6 mètres. C'est dans le mouvement Là, il a pas encore Là, ils ne l'ont pas encore touché. Non, non, il est, le un... est déjà parti. Ouais. Qu'est-ce qui justifie un pénalty D'ailleurs, Antonetti, il n'en croyait pas ses yeux. Surtout Oli, il ne faut pas lui dire ça. Il ne faut pas lui dire ça. Il <laughs> bah, y, y avait 0-0. Il <laughs> y avait 0-0, ça a totalement changé le, le cours ah, du match. Totalement. Donc bon, je ne sais pas si l'arbitrage a changé. Je pense que les gardiens doivent être très méfiants vis-à-vis du vice des adversaires, vis-à-vis -vis de l'inculture des, des arbitres pardon, sur le poste de gardien, sur les interventions des gardiens, notamment en duel. Et finalement, ça nous demande, nous, gardiens de but, d'avoir une palette plus large, de bien choisir entre ce que fait extrêmement bien Lionel. Mais au bout d'un moment, Lionel, je te le dis très clairement, même s'il était très rapide, même si les terrains sont arrosés. Tu tromperas contre un mec qui va toucher le ballon et tu vas le démonter. Ce mmh. n'est pas, pas une question de qualité, c'est une question. Les adversaires ont ce vice-là. Mmh. Et plus les joueurs vont voir que tu sors comme ça, plus limite ils vont t'attendre pour pousser le ballon. Mmh. Et il faut bien distinguer ce que fait Lionel, à savoir les sorties dans les pieds, et ce que fait la gestion de Lopez, qu'on lui reproche très régulièrement, de se livrer, à savoir sortir dans les pieds en jouant un duel. Alors donc là, tu te, fais, tu te laisses un espace. Lionel, il met les mains sur le ballon, comme ce qu'a fait Etienne Green. Et, il faut, et ça doit nous demander presque maintenant. Euh, on nous disait quand on était tout jeune en formation quand tu es en avance en duel, tu mets les mains sur le ballon. Quand tu es en retard, tu restes debout et tu attends et tu réagis. Et quand le ballon est équidistant entre toi et l'attaquant, c'est un truc qu'on voit très rarement au, au, au niveau, mais il te disait de centrer le ballon par rapport au nombril. Et il te disait de faire ça, ça te permettait, s'il te driblait vers la droite, d'avoir les mains. S'il te driblait vers la gauche, de laisser traîner les jambes. Maintenant, c'est un geste qu'on voit très rarement. Et alors là, je n'ose pas imaginer, vu l'impact que ça peut donner, si tu prendrais limite par un carton rouge. Donc, mmh. je ne sais pas comment on doit faire maintenant pour sortir. Franchement. Après, pour avoir déjà discuté avec euh, un arbitre qui officie en Ligue 1, euh, souvent, ces situations-là qui font débat, en gros, sont débattues après la semaine avec la fontaine et tout, et puis ils ajustent ça. Je vous espérais que quand ils vont ajouter ça, ils vont inviter un gardien, quoi, tu vois. Bah, c'est exactement ça, c'est un des enjeux majeurs. Est-ce qu'ils invitent un gardien Parce que s'ils si sont, si sont tous entre arbitres qui n'ont jamais joué au ballon et qui vont se dire, ah ouais, mais attends, il y a un impact, alors que le pauvre Étienne Green de 20 ans, il met les mains sur le ballon n'avance pas. Et le week-end d'après, ce sera euh, Ukija qui met de l'impact aussi dans ses sorties, qui va être sanctionné. Et on n'en sort jamais. Pour compléter ce que, ce que dit Thomas, euh, euh, également, les règles du jeu ne sont pas décidées à la FIFA, mais à euh, l'Internal Referee Board en Écosse. Donc en fait, euh, même tu vois, le, le, les règles du jeu sont pas euh, à côté en fait, de l'organe qui décide du jeu. Moi, c'est toujours, toujours un peu bizarre, hein, même si c'est géographiquement après, il y a des trucs modernes, tu vois, mais... Mais c'est un, un, peu, un peu bizarre. Euh, J'avais juste la, la situation sur Ajkovic parce qu'on on, l'a évoqué. Donc là, ce pas les sorties au sol, mais les sorties aériennes. On finira sur ça parce qu'on commence à, faire, à avoir faim. Et, euh, et, et du coup, je voulais juste évoquer avec vous les, cette fois-ci les, les sorties aériennes. Euh, là, c'est euh, euh, le défenseur central de Rennes dont j'ai perdu le nom. Il est marrant c'est ça, qui tamponne Rajkovic et c'est Girassi qui prend la balle juste après au deuxième poteau. Là, à l'inverse, j'ai l'impression, enfin, l'inverse, toujours, moi, j'ai l'impression que les gardiens sont moins protégés sur ces situations-là. Je me souviens qu'il y avait eu Moulin qui avait eu également une situation comme ça. Est-ce que c'est aussi un peu votre avis Qu'est-ce que vous en pensez ce qui était différent, après je vous laisserai la parole, c'est Moulin il avait à Jorque quand même qui était un sacré client et qui arrivait oui, lancé, lancé face à Moulin qui fait 1m80. Donc forcément il y avait tout cet aspect-là qui faisait que tout était un peu en désavantage de Moulin qui forcément subissait l'action. Là c'est pas tout à fait ça. Raichko, il sort bien de son but, il est dans un bon tempo, on voit qu'il monte quasiment aussi haut que le défenseur marocain de Rennes et il a ce bras, ce point droit qui sort pour aller boxer le ballon d'un point, ce qui me semble tout à fait légitime parce qu'il y a un impact que garder le ballon, ce n'est pas, pas adapté. Et en fait, euh, le, le défenseur René va s'appuyer sur le, le, le triceps droit de Rajkovic et du coup, l'empêcher de, de déployer son bras ce qui fait que Rajkova va passer totalement au travers. Très simplement, à la FIFA, à l'IRF, en Écosse, <laughs> le gardien en l'air qui se fait toucher au niveau des bras qui lui servent pour intervenir, il y a faute. Au quel... Mais c'est ça. Mais à quel moment lors de l'intervention du gardien, encore tu joues à Stoke City, tu fais un burnley Stoke City, je veux bien. Mais là, on... comment il siffle pas faute alors que le bras de Raishko ne... et on le voit d'ailleurs à l'impact sur la photo, c'est grossier. Il, il est en paix, On peut, il peut pas le sortir à cause du mec. Comment tu veux qu'il intervienne? Et me, il ne faut pas dire qu'il faut se faire respecter dans ces 16 mètres à moins que tu sortes avec euh, je sais pas, avec un, un genou avec un, un clou au bout, tu ne peux rien faire là tu tends ton bras on te rentre dans le bras bah oui, tu ne peux plus intervenir, tu ne vas pas mettre un, un ciseau pour la sortir Donc, je ne sais pas comment c'est possible que l'arbitre, que l'action ne soit pas revue que la faute ne soit pas sanctionnée ça n'a rien à voir avec les sorties de Lopez où Lopez mettait un impact physique dangereux, là c'est un duel aérien on empêche le gardien de mettre la main, faute point à la ligne. Coup franc au 5-50. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas la même chose que Lopez, mais euh, si on se passe du, au niveau des arbitres, qui, comme tu disais, des fois, ils ne prennent pas la bonne situation parce qu'ils n'ont pas la connaissance du poste de gardien de but et tout. Les polémiques qu'il y a eu avec Lopez sur ses sorties, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une influence sur leurs euh, décisions qu'ils ont bah, prises par exemple ce week-end sur les différentes situations qu'on vient de voir Est-ce que tu ne penses pas qu'ils ont ça aussi en tête ce côté-là qu'on dit, bah vous protégez trop les gardiens et tout, etc. Du coup, là, ils protègent les, attaqu les attaquants, les adversaires, les joueurs de champs, Est-ce qu'il y a un impact bah, qui pourrait avoir un impact dessus C'est une question bah, innocente, hein. je ne sais pas du tout. Non, mais. non, c'est vrai, vrai qu'il y a eu un, un énorme battage médiatique sur la question. Hein. De toute façon, Lopez, ça, ça fait des mois que ça dure qu'on se pose la question. Maintenant, je trouve que Lopez, la différence, c'est qu'il y avait presque un effet, un effet de surprise, en fait, lors de ses interventions. Euh, Mbappé, il ne regarde pas Lopez, Lopez arrive de face. Il y avait Romain Thomas, il me semble, Langevin. Oui, euh, c'est oui. dans son dos. Il y avait eu aussi Steve Mounier. Pareil, Mounier jouait le ballon. Lopez est arrivé de côté. Il lui avait mis le, le genou, la, la, la hanche au niveau du visage. Il y avait eu cet effet de surprise où presque le ballon n'était pas jouable par les deux. Là, c'est un peu différent. Maintenant, dire que ça, pas, ça peut jouer, c'est possible que ça ait joué. Sur le côté, on ne protège pas les gardiens. Mais alors, il va y avoir les gardiens qui vont, vont se liguer contre Lopez. Parce que si tu sors maintenant et que soit tu fais faute soit euh, tu peux te faire rentrer dedans sans qu'il y ait faute ça va faire euh, ça va être un problème rapidement parce que la faute euh, ah non mais t'es bien gentil tu te trouves pas euh, Reich Covid souverain si, on, si tu sautes papa tu sautes on met ta, tu vas intervenir et qu'on te pousse le bras tu peux plus intervenir euh, tu vas pas sortir le ballon de la tête si tu veux il euh, y a un impact, les joueurs, il faut savoir que Rajkovic, d'ailleurs, c'est un gardien qui fait moins d'un mètre 88, mais les joueurs, ils arrivent lancés, ils font tous 80 kilos de muscles, euh, si on ne te laisse pas une latitude de mouvement pour sortir, et qu'en plus, on entrave tes sorties, euh, physiquement, qu'on t'empêche te, qu de sortir, c'est impossible de s'imposer, C'est pas une... Alors, ou encore une fois, euh, tu joues plus le ballon, Tu fais bah, l'OPES a peut-être raison, en fait, tu joues plus le ballon, tu te dis... Tu enfonces tout le monde, mais à ce moment-là, je peux vous garantir une chose hein. si tu pars dans l'optique où pas le ballon, tu enfonces tout le monde, tu passes au travers. Ça, hein. Lionel, je pense que tu seras d'accord avec moi. Si, tu, si dans ta tête, tu regardes les joueurs avant le centre et pas le ballon, tu vas pas lire la trajectoire et tu vas te retrouver en difficulté. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, déjà, l'entraînement, ça me rend fou. Bah, quand tu sors et que les mecs sautent avec les coups comme ça et qui t'empêchent de sauter, tu peux, tu peux rien faire, tu es bloqué, tu peux rien faire du tout. Et je suis totalement d'accord avec toi là, sur la sortie de Rajkovic. Dès que tu touches le bras, que le gardien est en l'air, tu le gênes. Et comme dit Antoine, s'il faut qu'on se passe la place avant de sortir, euh, bah, ça sera de, de, de coup de poing dans la tête. Oui, mais, mais le problème, c'est qu'en plus, tu te retardes. Parce que moi, j'ai déjà, déjà essayé. Mais c'est dur. Quand tu ah. sautes pour sortir ton bras après, c'est super compliqué. Ouais, c'est clair. Oui, c'est sur les... les... ouais, clair, clair. Surtout quand tu te focalises sur tous les joueurs qui sont dans la surface. C'est impossible d'intervenir sur le ballon arrière. Impossible. Et, oui. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu remettes la slide. j'ai juste, juste une question. Est-ce que tu peux remettre la slide la sortie, l'arrêt sur image que tu avais de Ryskrow Parce qu'il y a un truc qui est intéressant aussi, hein, qu'on peut souligner. Déjà, le 5, là, il ne prend pas le ballon. Ah bah ben non Parce, parce ouais, qu'encore, je... il te grimpe dessus, enfin, il te touche le bras, mais il te prend le ballon au-dessus du bras, ce qu'avait fait à Jork à York face à... Hum. À notre ami Moulin. Bah, tu te dis, il s'impose. Mais là, en fait, il à part te gêner, il a pas touché le ballon, le 5. Non, c'est clair. Il charge le gardien, en fait. -dire que... Parce qu'encore une fois, il ne se fait pas devancer, Rajkovic, à proprement parler. Est beau, il, il est, est juste empêché d'intervenir. Le ballon, il est lob, parce que l'autre, il a la main sur son bras. Enfin, le, le corps sur son bras. Donc, non, il y a faute à 100%. Ce même pas comparable avec l'action de Moulin, en fait. Parce bon, que, en 2, agent, moi, je, comme je général... vous le dis, Vas-y, dis-moi, vas-y, dis est bah, En Ligue 2 cette année, j'ai eu à peu près le, bah, le, le même ballon, mais c'était sur un centre contre Valenciennes, où le ballon se monte très haut dans la surface. Et moi, je, je vois que mon défenseur est en 2 contre 1, je me dis qu'il faut que j'y aille. Sauf que quand je suis en l'air, Baptiste Guillaume me percute en l'air. l'arbitre siffle s'il faut directement. Et Baptiste Guillaume ouais, ouais. dit qu'il joue le ballon, mais vu qu'il ne touche pas le ballon et que moi, je suis sur le ballon, je touche le ballon. <laughs> Et que je suis en l'air et que je fais un vol plané, et il est obligé de siffler quand le gardien est touché en l'air. Bon, je vous propose de, de refermer sur, euh, sur cette situation. Ben, merci en tout cas pour, euh, euh, pour, pour cet échange sur l'arbitrage. Juste parce que il va falloir qu'on se pose la question. Et Thomas, je te mets sur la mission. Euh, jeter un œil au jeune gardien turc du Fer Alt, euh, Altay Bayindir. Oui, euh, tu, tu connais j'ai un pote, je suis pote à Balché qui m'en a parlé une fois. Bon, ben bah, tu. Euh, J'ai jamais vu vois, me quoi, jouer. Donc, euh, je dire, parce, ouais. parce que Frédéric il nous, a, il nous a sorti aussi un autre gardien russe et je suis désolé Frédéric on y a. Ah, Rubikasen. Voilà, mais bah, qui est Qu'on qu euh, qu euh, qu euh, qu doit aller dessus, donc on fera peut-être une émission petite pépite euh... en fin d'année. En fin je merci oui, oui, Frédéric. De... Bah, J'ai un peu de boulot, mais dans les deux prochaines semaines, j'aurai un peu plus de temps, donc euh, j'y mettrai le reste. Ouais. Thomas, il aime bien bosser ses, ses gardiens. Bon, en tout cas, euh, merci pour cette émission. Merci beaucoup, Lionel, pour ton temps. Pas de souci. Merci à vous. C'était cool. Merci, oui, Lionel. Ouais. Euh, Safonov du Krasnodar. Voilà. C'est ça qui voulait, euh, Frédéric. Allez, c'est noté. Faut qu'on le fasse, Frédéric. C'est super sympa <laughs> de nous mettre des, des commentaires. Euh, Antoine, Thomas et, euh, et Lionel, ben, bonne semaine de, euh, de Ligue des Champions. On se voit mercredi. Yes, ouais. avec plaisir. Super. On ben, merci également à vous, euh, chers auditeurs, de, de commenter, euh, de partager la vidéo. C'est top. N'hésitez pas à nous suivre sur euh, Twitter, euh, Facebook, LinkedIn, Instagram. Euh, voilà, on, on est multiplateformes et, et surtout à, à, à aimer et partager euh, la vidéo. Et puis, on se retrouve dans la semaine. Et en attendant, faites de très belles mains opposées, euh, même confinées. Ciao, ciao. Salut. Ciao à tous. Bye.